Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 16 décembre 2016, je vais faire une petite vidéo programmation sur Perl. Et puis finalement, je vais changer d'avis. Tiens, je vais faire un petit truc avec PHP et MySQL. En gros, montrer deux, trois petits trucs sur comment interroger une base de données MySQL avec une page PHP. Franchement, je sais pas à qui je vise en faisant cette vidéo. Mes abonnés, peut-être pas forcément. Enfin, si ça vous intéresse, tant mieux. Mais j'avais envie de faire cette vidéo, donc voilà, je me fais plaisir. Donc, pour vous poser le contexte, j'utilise Apache, pardon, le serveur web Apache, donc en version 2.4.23. Voilà, c'est tout. J'utilise PHP ici 5.6. Et si vous êtes sur une distribution Linux, que peu importe sa distribution, ou même sous Windows, on s'en fout, ça marche dans tous les cas. Activez bien l'option ou le module de PHP MySQLi. Donc sur des distributions telles CentOS, le paquet s'appelle PHP MySQLi. Donc il faut ça, c'est le module qui nous permettra d'interroger la base MySQL avec MySQLi. Et puis, donc moi j'utilise DevDB, MariaDB. Voilà, j'utilise MariaDB comme base de données, donc en version 10.0.28. Mais ça marche aussi avec MySQL. Hein. Voilà. Donc, pour ça, on s'assure déjà dans un premier temps que MySQL status, donc c'est lancé, ouais, et que Apache 2 soit lancé aussi, c'est le cas. Vous vous rendez à la racine de votre arborescence Apache 2, enfin du serveur web. Et ici, on va créer un petit fichier mysql.php, par exemple, dans lequel on mettra tout ce qui nous intéresse. Alors moi je le fais avec un éditeur en console, VI, mais vous pouvez le faire avec Nano si vous avez envie, vous pouvez le faire avec un éditeur graphique. Faites comme vous voulez, moi je fais comme ceci. Donc dans un premier temps, on va créer notre squelette si vous voulez de page, parce que là, pour le moment, le fichier n'est pas créé, donc not found. Hein. Donc là, on va faire notre fichier typique, hein. Donc HTML5, doctype HTML. On fait notre base HTML, slash HTML. Hop, on fait notre head, slash head, et body, slash body. Voilà, on va mettre un petit titre, genre H1 linuxtricks.fr tuto PHP et MySQL. Voilà. Ça, on peut se le mettre aussi en titre là. Voilà. Et puis, donc, on va avoir besoin, vu qu'on est en UTF-8, on va avoir besoin de plein de trucs, c'est-à-dire indiquer à PHP déjà qu'on utilise de l'UTF-8. Donc, ici, je ne vais pas me casser la tête, je vais faire un copier-coller, CTRL-V, voilà. Donc, cette ligne-là signifie tout simplement que le type de contenu, ce sera du HTML avec un jeu de caractères UTF-8. Et puis on va faire pareil dans la partie HTML. Voilà, donc copier et coller. Voilà. Avec la balise meta. Donc si j'enregistre mon bazar là et que je reviens là, voilà. Magnifique, on a notre page. Bon, maintenant on va interroger notre base de données MySQL. Donc on va se connecter à MySQL. Voilà. On va se créer une petite base de données. Create database tuto, par exemple. Tuto.
On va utiliser tuto. Et puis on va créer une petite table, create table message. On va mettre quoi dedans? On va mettre un ID qui sera un entier, donc int 10 c'est parfait pour la longueur, not null bien sûr si c'est un ID, et auto incrémente. Voilà, donc il s'auto-incrémente, 1, 2, 3, 4, 5, tout seul. Et puis, on va mettre un champ texte, donc txt, var char, donc ça va être des caractères, 64, note nul aussi. Voilà, c'est bien. Alors, par contre, il me manque un petit truc. One only one autocolon must be definite as key. Ouais, alors attends. Hop, pardon. Primary key ID. Primary key ID. Voilà. C'est mieux quand on met des parenthèses comme il faut. Donc, show tables. Vous voyez ma table message. Histoire d'avoir quelques petites données dedans, on va insérer des trucs. Insert into message values txt values coucou et comment ça va. Là, j'introduis juste dans la colonne txt, puisque la valeur ID, c'est un auto-incrémente. Donc, si je fais un petit select étoile from message, vous voyez, l'ID, il s'auto-incrémente, donc il grandit comme un grand. Bien, donc maintenant, je me casse de là. Je retourne dans mon mysql.php. Par contre, il y a un truc que je vais pas tout à fait kiffer, c'est que vous allez voir mon mot de passe. Alors, tant pis, on va se faire en route. Voilà, on va faire ça en route. Donc, ici, on a des commentaires en PHP, c'est le double slash. Donc ici, on va mettre connexion à la base. Donc pour se connecter à la base de données, on va prendre une variable, con. Par exemple, con comme connexion, hein, c'est pas qu'elle est bête. Hein. Et donc, on va utiliser mysqli connect. Et là, ensuite, on va mettre l'hôte, donc 127.0.0.1. L'utilisateur, donc là, je vais prendre route. Alors, je sais plus ce que c'est le mot de passe de route. Parce qu'avec ma manie de tout personnaliser, je pense que c'est route, on verra tout de suite ce que ça donne. Et on sélectionne la base de données en question. Donc, tuto. Voilà. Donc cette ligne, ça va faire quoi? Ça va créer une connexion. On va ouvrir la connexion, MySQL Connect, sur 127.0.0.1, utilisateur root, mot de passe root, sur la base tuto. Et dans les bonnes pratiques, c'est que quand même, merde, à la fin, on se déconnecte de la base de données. Donc pour se déconnecter de la base de données, c'est pas très compliqué. Vu que la connexion, elle se fait dans la variable con, la déconnexion, ça va se faire très simplement $con égale nul. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est un peu moche. Alors, on va faire autrement. On va faire peut-être quand même quelque chose de plus propre. MySQLi close. Hein, ce sera peut-être mieux. Je vous avoue, je viens de tricher. Je viens de regarder sur mon anti-sèche. Enfin, remarquez. Ça, je le fais jamais, en fait, j'ouvre jamais la connexion, je ferme jamais la connexion. Ces variables-là sont dans un fichier d'entête que j'appelle dans chaque page, donc je l'écris jamais, si vous voulez.
On peut faire même des trucs encore plus propres. Vous voyez, c'est mettre des variables host égale 127.0.0.1. On monte juste ça, et à la place de ces variables en dur, on peut mettre host ici. Host. Voilà. Donc si on fait ça et qu'on se connecte, on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc là, accès refusé. Donc c'est que mon mot de passe route, c'est pas route. Alors c'est peut-être rien du tout. On va afficher ici, F5. Voilà, donc là ça marche, je suis connecté à la base. Sinon, vous avez vu, j'ai l'erreur. Bon. Alors maintenant, ce qui serait sympa, c'est d'afficher un petit tableau. Donc, on va déjà ici afficher un tableau. Donc, table, vous savez, quand on fait un tableau en HTML, c'est comme ça. Ensuite, tr pour les rows. Et pour chaque row, donc pour chaque ligne, je fais une colonne td, td. Voilà, donc là je vais marquer ID et là message ou texte. TD c'est moche, je vais mettre en gras. Et là donc je vais vous montrer le truc parce qu'on va s'en servir. Je réécris ça. TD, 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 slash TD. Voilà. Donc là, je vais mettre des petits X et puis des petits Y pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Vous voyez, j'ai mon petit tableau. ID, texte, XXX, YY. Bon. Je fais pas de style, hein. On s'en fout. C'est juste pour le principe. Donc maintenant, il va falloir faire notre requête, notre fameux le select étoile que j'ai fait tout à l'heure dans MySQL. Je me reconnecte. Voilà. Use test. Non, c'était tuto. Select étoile from message. Ça affichait ce petit tableau-là. Et bien, on va s'arranger pour que dans notre page, ici, on affiche le même tableau. Donc, c'est pas très compliqué. Ici, donc, on va ouvrir une balise PHP et on va la fermer. Et on va écrire, par exemple, notre requête. Donc, req égale, on va l'écrire en dur, là. Donc, select étoile from message. Voilà, on ferme la requête. Voilà, donc ça, c'est notre requête SQL. Maintenant, cette requête, elle est juste dans la variable req. Donc, ce qu'on va faire, marquer, je vais pouvoir faire ça. Ce sera plus simple, plus lisible. Notre requête, il va falloir l'envoyer à MySQL. Donc, on va avoir un résultat, res. Et donc, pour balancer la requête, on appelle la connexion, c'est pour ça que je l'appelais con. Et on va faire une requête, donc query. Et on fait une query, donc une requête de quoi? De $req. Alors, bien sûr, c'est possible de la faire one shot, la requête, et de faire ça. On peut faire ça. Ça revient au même. Sauf que moi, je le fais pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que si jamais ça marche pas, puis que vous voulez activer un mode debug, eh ben ça c'est nul. Par contre, là, ça c'est bien parce que si votre requête ne marche pas puis que vous voulez l'avoir à l'écran, vous pouvez faire un echo par exemple req. Et donc là, je quitte, enfin j'enregistre, et là si je fais un petit F5 pour rafraîchir, vous voyez, on a notre requête. Donc c'est pas mal pour avoir une sorte de debug. Au moins, on peut voir la requête qui est écrite en vrai. Surtout si la requête, elle est générée avec des conditions, si, alors, donc, sinon, en PHP. Bon. À partir de ce stade-là, notre requête, elle est exécutée. Donc, je vais mettre, on envoie la
requête. Et là, je vais mettre, on écrit la requête. Voilà. Donc là, notre requête, elle est faite. Maintenant, il va falloir analyser toutes les lignes de la requête pour écrire ça. Donc, pour faire ça, j'enlève ça, on va faire une boucle while, hein, qui parcourt tout. Donc, je rouvre mon bazar PHP. Et donc, on va faire un while. Et tant que, on va affecter dans la variable data, parce que c'est des données. Et on va faire un mysqli fetch array. Donc, en gros, on va... Attendez, j'écris en entier, res. Voilà. Et je vais même ouvrir la collade. Voilà. Donc, on commence à faire notre while. Donc, tant que, en fait, on va parcourir les lignes, on va stocker la ligne dans data. Le principe, c'est que moi, je fais toujours un truc. C'est quand j'ouvre une fonction, je la ferme tout de suite. Tac. Et accessoirement, je mets un petit commentaire, souvent fin. Et je réécris ça. Comme ça, merde. Comme ça, je sais à quoi ça correspond. Je sais que c'est la fin de mon while data machin. Bon. Donc là, à chaque fois qu'il va y avoir un résultat, il va écrire ça. Donc là, si je raffiche mon site, vous voyez, on a deux fois x, x, y, y. Effectivement, on a nos deux résultats. On a notre coucou et comment ça va. Bon. Sauf que maintenant, à la place de x, x, x et y, y, on veut vraiment les valeurs. Et bien là, c'est pas compliqué. On efface le x, x, x et le y, y. Et, oups là. On rouvre notre balise PHP, qu'on referme. Et là, on va faire un écho, tout simplement. On va afficher, rien de plus simple, $data, c'est la valeur. Je rappelle, c'est le data qui est ici. Et on va prendre, donc en fait, data, c'est un tableau. Et on va prendre la valeur qui s'appelle ID. De la même manière, voilà. Je prends après dans la deuxième ligne de mon tableau la valeur txt. Donc en gros, si vous voulez, j'enregistre, on écrit la requête, on envoie la requête, et donc tant qu'il y a des choses, la première fois on va passer, on va récupérer la valeur ID de data qui est ici et sa variable texte. On arrive à la boucle. On vient ici, il y a encore des données, on passe à la deuxième ligne, ça met le deuxième ID, deuxième texte, toc, on arrive là, ça revient ici, il n'y a plus rien parce qu'on est au bout, donc fin, hop, on se casse de la boucle et on affiche la fin de la page. Donc si je raffiche ici, F5, voilà, on a le coucou et le comment ça va, voilà. Donc on a parcouru les lignes de notre table message. Maintenant, ce qui pourrait être sympa, c'est qu'on insère du texte. Alors, ce qui va être rigolo, c'est qu'on va peut-être insérer du texte avant. Avant de faire la requête, comme ça, donc je pose des machins, voilà. Comme ça, on va pouvoir insérer du texte, et quand on va afficher notre page, eh ben, on va voir après en dessous le texte qu'on a inséré. Donc, pour insérer du texte, c'est assez facile. Donc là, je rouvre ma balise PHP. On fait notre requête, toujours pareil, req, égal, donc insert into message, on va mettre ça dans la variable txt, values, et puis on va insérer, wesh et toi. Voilà, je ferme ma requête, je finis par mon point virgule et je ferme la balise PHP. Donc là on fait notre requête, on envoie la requête, j'aurais pu ne pas fermer d'ailleurs là, je vais fermer là,
Et donc on envoie la requête, donc $res égale mysqli query. Non, c'est pas ça, je fais n'importe quoi. C'est $con query de $req. Voilà, et c'est tout. Puisqu'après, on n'a pas besoin de scanner différentes choses. Et ici, on peut même se payer un petit luxe de faire un echo $res. Et vous allez voir ce que affiche. On va mettre résultat du insert. Voilà. Vous allez voir la réponse. Enfin, la valeur que prend res quand l'insertion s'est bien passée. Donc là, je fais un petit coup de F5. Chut. Voilà. Donc ici, après l'insertion, on raffiche notre tableau. Donc ici, on a bien le « Ouais, chez toi ». Et le résultat du insert, c'est 1. C'est-à-dire que ça a fonctionné. Ça retourne 1 si ça a fonctionné. Et si, par exemple, on fait une faute où il y a un truc qui n'existe pas, voilà. J'écris exprès message avec sans le « E ». Il y a une erreur, F5. Voilà, ça renvoie rien. Donc, si ça s'est bien passé, vous pouvez tester ce que contient res. Et donc si res vaut 1, c'est que ça s'est bien passé. Si res vaut rien du tout, c'est que ça s'est mal passé. Voilà. Donc ça, c'était le insert into. Donc pour insérer dans la base de données. Si on veut mettre à jour, par exemple là, on veut pas mettre wesh parce que c'est pourri, donc on veut mettre oui. On va écrire notre requête ici. Et notre requête update, eh ben, ça va être de la même manière. Update message set text. Enfin, txt égale ça. Where id égale 3. Ainsi, on fait notre requête SQL. Update message, set txt égale oui et toi, donc on va changer le texte en oui et toi, là où ça vaut 3. J'enregistre, F5, hop, voilà, donc là on a 1, parce que ça s'est bien passé, et le wesh s'est transformé en oui. Facile, non? Si on veut changer plusieurs lignes, si on change par exemple plusieurs lignes, non, on va faire par exemple ça, where id plus grand que 1. Donc là, ça va nous changer les lignes 1 et 2. Vous allez voir ici, le res vaut toujours 1. C'est-à-dire c'est un booléen, ça vaut 1 ou rien du tout, ou 0, ça s'est pas bien passé. C'est pas parce qu'il a modifié deux lignes ici qu'il va nous afficher 2. Hein. Je peux afficher un autre texte ici, hop. On met juste oui. Vous allez voir, il va marquer du oui partout. Il a bien modifié deux endroits. Mais insert vaut toujours 1. Et pour supprimer, eh ben vous doutez bien sûr que c'est la même chose. Delete from message. Alors là, where id égale oh ben, supérieur à 1. Voilà, on va supprimer tout, sauf le premier truc. Et donc là, hop, voilà, ça a supprimé le 2 et le 3. Et le résultat, c'est toujours 1, c'est toujours notre booléen. Des petits trucs sympas quand même, qui sont intéressants à noter. Donc là, je vais supprimer ça. Enfin, je vais même... je vais refaire ma requête, attendez, hop, P. Voilà, histoire de remettre quelques valeurs dans ma table, F5, 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 voilà. Si, enfin, il y a plusieurs bonnes pratiques, parce que là, je vous montre ça dans un exemple tout simple, mais, imaginez, vous mettez un champ dans un formulaire, où vous récupérez ça, pour l'insérer dans votre base de données.
Eh ben, si un mec dans son formulaire, il écrit dans son formulaire quelque chose de ce style-là, égal 1 toc, point virgule, drop database tuto, hein, on met ça comme ça, et que vous récupérez votre quête. Par exemple, là, vous faites saisir quelque chose à quelqu'un dans un formulaire, et vous récupérez ça dans votre variable, je vais appeler get. Ben, le problème qui va se poser, c'est qu'il va faire une injection SQL en échappant les caractères. Et si vous voulez, la requête là, par exemple, hop, values, on va faire comme ça. Donc, $get, voilà. Donc là, ça va faire insert into, je me fais comme ça, echo $ruc. Dans l'idée, hein, je vais pas m'amuser à faire un formulaire, dans l'idée où on prend ça, ici ça va faire insert into message values test. Je valide le truc, F5. Oui, ça marche pas parce qu'attendez. Il faut le mettre entre guillemets. Voilà. Sinon, du texte sans guillemets, ça marche pas. Voilà, donc là on a notre test. Par contre, si le mec là il met dans sa variable un truc du style ça, alors je suis pas sûr que ça marche. Et puis qu'on met delete from message where value where id égale. Alors là, je vais mettre juste un ID. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Je vais mettre 6. Si le mec il met ça dans son formulaire, alors je vous dis pas que ça. Oui, mais ça, de manière à ce que, hop, ici ça ferme ici. Quoique ça va même pas marcher. Ouais, mais ça. Ça, il y a au moins un bout qui se fait. Je sais pas si ça marche ça. Eh ben, en injectant ça, il va supprimer l'enregistrement 6. Alors, je dis pas que ça marche. Non, ça marche pas. Mais vous voyez, ça nous fait une requête SQL de ce type-là. Donc, il n'y a rien qui va s'insérer dedans. Où il peut mettre du texte. Et ça va lancer ça. Et ça peut. On peut faire une injection SQL. Alors, je suis pas un pro de ça. Et c'est pas top. Donc, pour éviter ça. Ou même, d'ailleurs, si le mec il met des caractères spéciaux du style c'est moi. En faisant ça, ici, on voit bien que ça marche pas parce que ici les guillemets, enfin les codes comme ça, enfin c'est surtout là, ça pose problème là. Parce que ce C apostrophe, il ferme la requête et ça fout le bazar. Donc, dans MySQL, on ne peut pas insérer un truc comme ça. Ça marche pas. Donc il faut échapper les caractères. Donc il faut écrire ça. Merde. Il faut écrire ça, sauf que une personne elle va pas écrire ça dans son formulaire. Donc il existe une magnifique fonction qui s'appelle donc là vous redéfinissez la variable, par exemple get égale con. Et là vous avez une magnifique fonction qui s'appelle real escape string. Et vous mettez votre valeur dedans. Et là, vous allez voir le c'est moi. Le truc, il va s'ajouter automatiquement. Là, là, F5. Voilà, vous voyez, il s'est ajouté automatiquement. Et paf, de fait, ça s'est bien inséré dans la base de données. Donc ça, c'est bien pour insérer les caractères spéciaux et en même temps d'échapper, entre guillemets, les caractères nuisibles qui pourraient faire une injection SQL. Voilà. Après, on a des petites fonctions un peu plus sympathiques que vous retrouverez sur
la documentation de PHP. Par exemple, là, on veut compter à la fin le nombre de lignes qu'il y a dans notre tableau. Donc, on va marquer au total, il y a XX lignes. Donc, plutôt que de se taper une requête avec select count étoile from message, qui va faire un compte de message, on peut réutiliser ici ce qui s'est passé là. Donc là, le res là-haut, c'est notre requête. Tant qu'on ne l'a pas redéfini, il existe toujours. Donc on peut dire que $nb égale $res et on a une fonction qui s'appelle numRows, qui porte bien son nom, hein, nombre de lignes. Voilà. Et donc, tac, je ferme ça. Et ici, on met PHP, donc echo $nb. Et donc là, dans la variable nb, on aura le nombre de lignes. Donc si je rafraîchis F5, au total, il y a 10 lignes. Voilà, il compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc ça, ça peut être assez sympa si vous voulez tester, faire des paginations avec tant de lignes par page, des choses comme ça. Voilà. Je pense que là, on a un peu plus de 30 minutes du tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, là, j'arrive à la fin de la vidéo, je trouve que c'est de la merde ce que j'ai fait. Mais si ça vous plaît... Eh ben c'est bien, faites-moi en part de vos impressions, savoir si ça vous a plu ce petit truc. Et puis si ça vous a plu, pourquoi pas en faire sur d'autres sujets. Ça pourrait être du Perl, du Bash, du je sais pas, bon ça demande un peu de préparation parce qu'il faut savoir quoi dire, quoi faire. Mais voilà, si ça vous intéresse, eh ben dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous intéresse pas, que vous avez trouvé ça nul, puis que vous mettez un pouce rouge, s'il vous plaît, argumentez. Dites-moi pourquoi c'était nul. Que je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos que je ferai de ce type. Voilà. Sur ce, ben, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!